attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Bonsoir, je ne suis pas Bob Lennon. Hello tout le monde, c'est encore moi Sonic Seven Power, plus connu sous le nom de Sonic. C'est comme je vous l'ai déjà dit, la semaine prochaine, Super Smash Bros Ultimate Story Mode arrive sur Sonic Seven Power. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour le 25e épisode au labo électrique. C'est parti. This part of the castle was once where acclaimed scientist Friedrich von Frankenstein conducted his experiments into artificial life. He was quite mad and often would conduct horrific and depraved acts trying to discover the secrets of life itself. His own demise was equally gruesome. The vampire queen took him but kept him alive thus over many centuries. She fed on him daily, keeping him at the brink of death, yet living and aware. Why she did this is only known to a few. She once loved life and loved living things, and before she became a Lord of Shadow, she vowed she would punish Frankenstein for his vile acts. As a Dark Lord, she was able to keep her word. Purée, si Frankenstein est toujours quelque part dans le château, il doit en baver le pauvre. Constamment aux portes de la mort. C'est sadique comme punition, mais étant donné le connard que c'était, je pense que c'est mérité. Là, je vais devoir faire un grand usage de mon Carolina Smash. Ah oui, j'espère que vous vous souvenez du tout dernier Smash que j'avais trouvé. Le Smash de Midoriya contre Musclor. Attention, je vais essayer de le faire. Delaware! Detroit! Non, putain. Je recommence. Delaware! Detroit Smash! Voilà, le Delaware Detroit Smash de Midoriya. Très exécuté à compliqué, en même temps c'est one for all, 1,000,000%. Ouh, 900. J'ai passé 2 jours dans ce labyrinthe tentant de trouver une sortie. Avec peu d'attention, il est facile de comprendre que ces étranges mécanismes créent des barrières mortelles entre les rouges et les bleus. Il ne me reste qu'à trouver un moyen de les faire changer de couleur. Ok, si tu le dis. C'est parti. Carolina Smash. Voilà, ça fait plaisir. Fous le bordel, ouais. J'en ai rien à foutre. Ça fait quoi si tu fais passer une dague à travers le courant? Rien du tout. J'aurais été bien que la dague s'électrifie, mais... Non, ils n'ont pas pensé à cette taille-là. Celui-là, c'est parti. Carolina Smash! Et merde! Je me suis fait bisu. Carolina Smash! J'avais pas vu que ça partait dans tous les sens. Carolina Smash! Et enfin, Carolina Smash! Voilà. Normalement, ça devrait aller. Eh ben voilà! Attendez que je revienne un peu en arrière. Il aimait la science, Frankenstein, ça se voit. Hein. Oh! Ok, je pige. Sacré bordel ici. Effectivement, ah, il y a une statue d'élément neutre là-bas.
Ouh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Une batterie est ici nécessaire. Ok, je vois. Oh, je la vois, la batterie, elle est là-bas. Carolina, smash! Très bien. Il va y avoir beaucoup de smash dans cette vidéo. Detroit, smash! Et est-ce que je peux la faire passer à travers? Detroit, smash! Oui, je peux. Carolina, smash! Je me suis obligé de le dire à chaque fois, sinon c'est pas valide. Detroit! Je suis pas... En fait, je suis pas obligé. Allez, Detroit Smash, la batterie dedans. Bien, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Detroit Smash! Très bien, je vois. Alors ici, c'est pas la peine. Ici, c'est pas la peine non plus. Non, c'est pas ça, c'est pas le Detroit. Carolina! Je vais me contenter de dire le nom. Donc par ici, on a quelque chose. Un couteau. Oh, et apparemment, tant qu'on n'a pas vidé ça, on s'en servir. C'est bien ça. Donnez-moi le bordel de ça. Oh, je peux pas briser la le grand truc, c'est chiant. Bon, réfions un petit peu les batteries. À quand mes deux prochaines gemmes de lumière? Je crois qu'il m'en manque plus que deux pour augmenter encore mon compteur de magie de lumière. Ouh, un chevalier. Oh, maintenant il ne m'en manque plus que deux. C'est bien tout ça, mais je ne vois pas de bouton à activer quelque part. Carolina, smash! Je dis Carolina! Detroit Smash! Detroit Smash! Là, j'avoue, je piche pas. Non, ça, je ne peux rien faire avec. Carolina. Par ici, il n'y a rien du tout. Putain, c'est moi qui suis débile ou bien? Peut-être que si je vais en magie de l'ombre, je peux traverser. Non, je peux pas. Le problème, c'est que chaque fois que je bouge un truc, le Gabriel reste sur place. Il doit forcément y avoir un truc intéressant. Carolina! Comment le faire changer le bleu là-bas?
peut pas le pousser de cette manière. Là, j'avoue que je touche pas les enfants. Là, le Sonic s'y est perdu, il l'avoue très clairement. Seulement Gabriel arrêtait de s'immobiliser. Attends. Oh, j'y crois pas, on peut faire ça comme ça. Très bien, je pige. Ça. Et boum. On le fait une deuxième fois. Ah ah ah. Merde, saleté. Ouh. Oh 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 oh. Donc, on peut les activer avec les tags explosifs. Très bien. Putain, j'aurais pu m'en rendre compte plus tôt. Ouh, il y a quelque chose là-bas. Semble-t-il une saloperie quelconque. Bon, commençons par aller à l'endroit qui est déjà dégagé. California! Non, non, c'est le Carolina. À chaque fois, je les confonds tous les deux. Quoi? Alors, je vais voir quoi ici? Ah, il y a ça. Carolina! Ah, celui-là, il est grillé apparemment. Oh, c'est quoi ça? Une lentille rouge. À quoi peut-elle servir? Hmm? Effectivement, il y a une saloperie ici. Qu'est-ce que c'est possible? Putain! Quelle est cette saloperie? What? C'est quoi cette horreur? Monstruosité mécanique. Les vampires n'étaient pas les premiers occupants du château. Le précédent occupant était un scientifique connu sous le nom de Freising von Frankenstein. Ce château lui a servi de cadre pour ses horribles expériences sur la vie artificielle. La monstruosité mécanique est l'une de ses tentatives. Frankenstein a créé une machine à l'apparence d'un scorpion en utilisant le cerveau issu d'une expérience médicale ayant mal tourné. Toutefois, la créature s'est avérée difficile à contrôler et avance dans le château en tuant tout ce qui se passe à portée de ses griffes. Attends, c'est quoi ces points faibles? Ah, il aime pas l'effet explosif. Ça tombe bien, je m'en sers jamais assez de l'effet. Tiens, mange ça. Ah, t'aimes pas, hein? Je pense de ça. Delaware Smash. Il aime pas. Se recharge. Qu'est-ce que je suis censé voir d'intéressant? Oh! Je vois. Oh putain! Tu veux la jouer Power Unlimited Power? Très bien. Abonne-moi ça! Moi aussi je peux le faire hein. Eh attends, ses coups vont vers le bas, comment il peut me toucher alors que je suis en l'air? Carolina! Wow, oh, 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 ça tu l'as bouffé mon pote hein. T'aimes pas hein.
un joueur boxeur. Très bien. Detroit. Putain. Detroit. Smash. Carolina. Si, attention. Oklahoma. Non. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Oklahoma. Smash. Oh, il a pas aimé l'Oklahoma. California, Carolina, smash. Merde. Il s'est réveillé. Putain, je l'ai fait trop tard. Raté. Carolina, smash. Power. Unlimited power. Oh, uh-huh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est du fantôme? Mais c'est du fantôme? Bon bah merci pour ton sacrifice, petit Rai ne sera pas oublié. Oh, je peux le faire à nouveau ça quand je veux, c'est cool. Très bien. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Un bouton. Là-bas, il y a un chevalier. Carolina, smash! What the... ici? Non, c'est là par... c'est par où je suis arrivé ça. Arrête de faire n'importe quoi, Gabi. Maintenant je peux accéder au chevalier. Faut que j'attende que le truc revienne. C'est comme dans Mario 64. Jolie la petite référence. What? Comment ça se fait que j'ai pas pu? D'où je pouvais pas? À moi! Bon, les gemmes de vie ne me servent pas à rien à part pour augmenter ma force de frappe, parce que personnellement, à défaut de me rendre plus résistant, je veux croire que les gemmes de vie me permettent de taper plus fort. Sans magie de l'ombre, j'entends. Ça me rend moins fort que la magie de l'ombre, mais ça me rend plus fort quand même. Je veux croire ça. Ça se trouve, c'est des conneries. Hein. Alors, et toi? Eh merde! Ah non, en fait ça m'empêche pas d'avancer. Je peux aller par là. Il me... Reviens là, toi! Enculé! Il se barre au moment où j'arrive. Ah, ça, c'est un coup de pute, hein. Si ça, c'est pas un coup de pute, je sais pas comment ça s'appelle.
Voilà. Je peux tomber? Non, apparemment, je ne peux pas tomber. Enfin, si, je peux tomber. Salopard. Ouais, what? Il me remet sur la berge. Non, mais il va te faire foutre, là. Frankenstein, t'es vraiment un enculé. Attendez, je rêve ou on est dans la tour de l'horloge? Le niveau, le célèbre niveau de tous les Castlevania, là. Où on entend tout le temps Bloody Tears, là. Voilà, ici. D'accord, mais ça servait à quoi de venir ici, en fait? Pas pour me manger ça. Alors, attends, je suis ici. Est-ce que je peux réapparaître sur le toit? Non, je suis obligé d'attendre dans cette saloperie de merde. Faut que je trouve un moyen de désactiver là, soit celui-là, soit celui-là. Attends, j'ai encore failli me prendre le truc. Non pas que ça me tue, mais... Eh putain, au moment où je dis ça, quoi. Non, lui, on a déjà trouvé le bon truc. Là, toi, tu viens là. Non, ça doit pas être ça. Mais non, oh là 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 là. Il est trop con, quoi, ce mec. Comment je fais pour y accéder? Je suis sûr que ce truc me permettrait de faire ce que je veux. J'y accède comment, nom de Dieu? Ça va changer quoi, sérieusement? C'est ça que je veux atteindre, moi. Non, il est toujours actif. Maintenant je peux. Tu n'es pas sérieux là. Ah mais si, il est sérieux, ce n'est qu'un... Un très court instant, j'ai cru que je pouvais. Trop duc. Non mais si je peux me... Si je saute, je peux me rater le truc. Mais va te faire, hein. J'ai envie de dire va te faire. Celui-là maintenant. Carolina Smash. Et... Alléluia! Putain, à un moment, j'ai cru que je m'en sortirais jamais. Bien! Je regarde si l'épisode n'a pas duré trop longtemps et on continuera. Bah voilà, la porte est fermée, pour qu'on y va. Ah, d'accord. Je me disais aussi... Je me disais qu'on se débarrasserait pas de toi si facilement.
Et on a tout eu, c'est parfait. Alors je regarde si le truc n'a pas duré trop longtemps. Et s'il n'a pas duré trop longtemps, on se retrouve tout de suite pour la suite de l'épisode. Donc, à tout de suite, ou à l'épisode 26.